Je suis agriculteur, plante à parfum aromatique et médicinale. Je produis de la lavande et du lavandin essentiellement, mais aussi de l'immortel. L'exploitation est une exploitation du coup familiale, donc je fais une reprise de quelques parcelles que mon père m'a cédées. C'est une exploitation qui est en agriculture biologique. Alors en termes d'hectares, ça représente un peu moins de 10 hectares en lavande et en lavandin. On a un petit peu de prairie permanente où on fait du foin. On a quelques hectares de pois chiches, lentilles et potres en fait, qui nous servent pour nos rotations, pour nos plantations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arracher une parcelle et replanter de la lavande sur la même parcelle. On est obligé d'attendre un petit peu. On va faire 2 ans d'épeautre, après on va faire 1 année de sainfoin et après on laisse un peu reposer tout ça pour éviter que l'herbe et que le sol s'enrichissent, quoi. Alors les produits sont récoltés on va dire à partir du 15 juillet jusqu'au 15 août, 20 août. Ça dépend en fait les années, les saisons, les pluies, la sécheresse, l'avancement de la lavande. Donc on va commencer d'abord par la lavande et finir par le lavandin. La lavande est beaucoup plus utilisée pour tout ce qui est aromathérapie, tout ce qui est thérapeutique, on va dire un peu cosmétique. Le lavandin, il est beaucoup plus utilisé pour ce qui est produits ménagers, détachants, un petit peu dans la parfumerie. Alors ici, on produit de l'huile essentielle de lavande, grâce à ces plants de lavande, que nous allons transformer dans une distillerie qui est située à Monieux, et ensuite qui va être distribuée dans une autre coopérative. La tout terroir. Ben, c'est le pays de Sceaux, hein. Il a un terrain un peu calcaire, on est en altitude. Il faut dire que la lavande c'est entre 800, 700 et au-delà. Le lavandin il va pousser on va dire à 300, 400 mètres et jusqu'à 800, pas plus. Historiquement parlant, le pays de la lavande c'est la Provence, c'est ici. Hein.